Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une tête un peu fatiguée ce matin. Greg est en train de faire la sieste dans le canapé parce que Gabin nous a réveillés à 5h. C'est un truc de fou. Alors aujourd'hui j'ai mis la nouvelle petite salopette de chez Mango à Gabin. Je vais lui chercher un petit bandana parce qu'il me bave toujours autant. J'adore, elle est vraiment jolie cette petite salopette. En plus ça m'attire assez chaude, donc parfait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si elle y est encore. On a toujours. Donc du coup, aujourd'hui, c'est journée flemme. On ne fait rien de spécial. En plus, il pleut. Franchement, voilà. Puis on est fatigué. Donc, on reste au chaud. Ah oui, bébé, on reste au chaud. Tu t'éclates? Tu t'éclates? Alors en ce moment, Gavin, il a une manie de... Quand il veut pas sa tétine, il souffle comme ça et il l'envoie bouler. Ah oui, il envoie bouler. C'est vrai qu'il n'est pas très tétine. Bon, tant mieux d'un côté. Et comme vous pouvez le voir, je porte le gilet que Greg avait noté 0 dans la vidéo, la dernière vidéo à 2. Et moi, j'aime vraiment bien. Et quand on est à la maison, voilà, on bouge pas, il est chaud. Mais moi, je le trouve joli en plus. Donc voilà. Et puis, sinon, il y a la famille qui va arriver. Ce soir, on reçoit la famille. Donc... on va commencer à préparer peut-être un petit peu, ranger un petit peu la table pour faire de la place. Et puis, je pense que ce sera une bonne petite friterie en famille ce soir. Gabin a trouvé des copines avec qui faire l'avion. Ouais. Puis il est content, il aime bien. Attention. Attention, tu vas décoller. Oui. Il doit être lourd par contre. Oh, il doit être lourd. Et... il se fait chouchouter depuis tout à l'heure. Et Isiel est toujours là, la jalouse. Fais un bisou à Gabin. Oh, tu vas faire un bisou? Fais un petit bisou. Il fait Superman. Isiel a peur. Voilà, c'est pas une araignée là. Tu le connais à force quand même. Tu le connais. Du coup, on en profite pour fêter Halloween aussi. On mange des bonbons, des chocolats. Voilà. Et Gabin, voilà, au moins il est occupé et moi je peux manger tranquillement. Bon, la famille vient de partir. Ça y est, là, il est quand même il est un bon 23h. Je voulais vous montrer ce que mes parents ont ramené de chez Primark. J'adore cette petite combi, franchement, elle est trop jolie avec des petits renards, des petits cerfs, voilà, magnifique. Et ces petites chaussettes, trop mignonnes aussi, j'adore. Sans compter, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer, mais ma mère m'a déjà ramené des pyjamas pour Gabin, avec des pyjamas de Noël, quoi, des body Père Noël, etc. Voilà. Je sens qu'il va encore être bien choyé pour Noël, ça va être un truc de fou.
J'adore, franchement, cette combi. Les combis, c'est vrai que c'est ce que je mets le plus souvent à Gabin. J'adore les salopettes, les combis. Et celle-ci, elle est vraiment jolie. Voilà, donc ça vient de Primark pour celles qui sont intéressées au cas où. Bon, sinon, je suis en train de tester un nouveau produit en ce moment. C'est un sérum pouce. Donc je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Mais voilà, je tente jusqu'à la fin. Là, ça fait bien une bonne semaine que je le mets. C'est 2 fois par jour. Donc voilà, je peux trop rien vous dire parce que ça fait pas assez longtemps que je le teste. Hein. C'est marqué qu'il y a des résultats au bout de 12 semaines. Donc bon, je vous dirai ça plus tard. Pour l'instant, j'essaye de m'y tenir. J'aimerais tellement... Voilà, que mes cheveux poussent pour pouvoir couper à chaque fois les pointes, tout ce qui est abîmé. Et puis voilà, retrouver un beau cheveu. Donc on va essayer ça. Je sais que Luxeol, j'avais déjà pris les gélules et j'avais vraiment bien aimé. Donc maintenant, voilà, je teste. C'est un tout nouveau produit. Je crois que ça vient de sortir. Voilà, donc sur ce, eh bien moi je vais vous laisser. Je vais aller me doucher et me coucher parce que ce matin, c'est vrai que je vous disais que Gabin nous a quand même réveillé à 5h du matin. Donc c'est dur dur, il avait redormi quand même 1 heure entre deux et cet après-midi il a fait une sieste de 2 heures, donc ça va. C'est vrai qu'avant je vous disais gamin il dormait pas du tout et maintenant il s'est habitué à dormir. Le matin il dort plus, mais enfin il dort, il n'a jamais vraiment dormi en fait, une fois qu'il est réveillé, il est réveillé, il est en pleine forme. Mais maintenant ça fait peut-être 5 jours qu'il dort 3 heures l'après-midi. Donc c'est génial, ça fait une petite coupure, ça lui fait, puis ça lui fait du bien, je le sens quand même, parce qu'il en a besoin. Avant il était fatigué mais il luttait toute la journée. Là, voilà, il a pris l'habitude d'aller se coucher après, après manger et il adore ça. Donc c'est cool, je le pose dans le lit, il s'endort tout seul comme le soir, c'est génial. Voilà, bon, alors du coup, je vais vous laisser là. Je vous mettrai peut-être le lien du gilet parce qu'aujourd'hui je vous ai fait des... Je vous ai fait des Insta stories et vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des messages concernant ce gilet que vous avez adoré. Donc comme quoi, hein, Greg qui l'avait noté 0, ben là, voilà, il vous plaît beaucoup. Et moi aussi d'ailleurs parce que c'est. Voilà, je l'ai mis directement aujourd'hui, j'aime vraiment bien. Je vous remontre du coup ce qu'il donne portée, mais franchement, je l'aime bien. J'ai eu chaud toute la journée avec le gilet. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos au cas où si vous avez loupé la vidéo avec toute ma sélection Shein. C'était la vidéo précédente. Voilà, donc et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Et petite image de fin sur Gabin qui est en train de faire dodo. J'ai toujours, franchement, je pourrais le regarder des heures. Il dort mais il bouge ses mains en même temps. Trop chou. Désolée pour mon vernis. Oh là là, j'ai envie de lui croquer les doigts là.